Je veux bien voir à quel Linus de Hichu, j'aimerais comprendre quel type il est. Ouais, Magmi, Magma, Magma. Gravalmanche. Écoutez, vous avez pas me saoulé longtemps. L'ultra-cheveux, c'est plus misérable que ce que vous pensez. Non mais, je rêve, je la vois la plateforme, je peux monter dessus. Soit il fait nuit, soit d'un coup il y a eu un problème de lumière. Hein. Bon. Je sais. Attends, non, là. J'ai même pas vu le Caninos en fait. Autant pour moi, il considère que j'ai même pas vu le Caninos. Je veux dire, je pense que c'est un type feu, ça c'est sûr, hein. Pas de surprise sur ça. Attends, c'est par là. Allons-y! Delta entre les deux en fait. Oh my fucking god! Je vais tellement crever. Attends. Non, c'est bon. Le. Il est parfait. Je le veux. J'aime parce que certains barons te voient à travers les murs, d'autres sont complètement aveugles. Ah, les gars, c'est du génie. Et le niveau combien? 69! Nice! Vas-y, nice la bonita! Survécu. D'où trois attaques de suite. Trois attaques de suite. Pardon. Deux attaques de suite, c'est déjà quelque chose. Trois attaques de suite, je trouve ça un peu excessif. Tu vas venir avec nous. Je me disais justement que Miplodocus faisait pas le taf. Il me faut un type eau. Et des types acier en plus, j'ai pas ça. Remplaçons le type dragon acier par eau acier. Allez, j'ai un pingoléon. Nice. J'ai un pingoléon, nice. J'ai été repéré par un Pokémon, mais je ne sais pas lequel. Est-ce que c'est toi qui m'as repéré? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre que je n'ai pas vu? Voilà, bah j'ai les trois de l'évo, j'ai les trois de la même lignée, c'est super ça. Allez, servi d'île. Salut les Quatox.
Un quatox, deux quatox, trois quatox, quatre quatox. Je tiens à préciser que les terres du clan diamant sont beaucoup plus vicieuses que les terres du clan pearl sont beaucoup plus vicieuses que les terres du clan diamant. Hein. Écoutez, ma team va être composée de plein de Pokémon différents qui se viendront et bah, quitteront ma team lorsque le moment sera donné. C'est ainsi que ça fonctionne. J'aime bien faire tourner un peu mon équipe. Nous n'oublierons aucun membre. Castorno. Mais quoi? Voilà, je voulais un poussin. Ok, je suis sur la bonne route. Qu'ils arrêtent un peu. Il n'y a pas de place pour cet objet dans chaque poche. Ah oui. C'est ainsi que tu le vois. Fais le malin, fais le malin. Scream! Ah quoi, j'ai utilisé. Attends, il n'y a pas de forme rapide d'atterrissage. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié que mon terreau était petit peu pendant une seconde. Tu es fort, Papillard, je dois te reconnaître ça. Je m'attendais à affronter un loser. Et je dois m'avouer surprise. Tu es beaucoup plus fort que ça en donne l'air. Attends, comment ça j'ai pas de place pour le bonbon M? Attends, pour le caillou fort. J'ai de la place pour le caillou fort. Ça. Ça m'a jamais servi. Il est parfait. Je le veux. Il sait qu'il peut venir tirer son coup quand il veut. Mais où est-ce que... Où est-ce que je suis? Un instant, recule, stop. On s'arrête, on arrête tout. Je suis où là? J'aimerais que mon Pokémon saute quand je lui demande de sauter. J'exige pas beaucoup. Je sais que ça peut être compliqué pour le jeu par moment. La physique du saut, ça n'a pas l'air d'être son dada. Par contre. Parce que de toute évidence, je suis sur une chèvre. Je me dis que c'est faisable par là. S'il n'y avait pas l'arbre devant, oui. Ok. Je suis. Non, 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 je sais que je peux monter par là. J'ai fait des pentes beaucoup plus rêches hein, dans ce jeu. S'il sent pas d'odeur, il ira un peu plus lisse. Non!
Et voilà, tout ce que j'ai escaladé, parti en fumée. Je me pencherai là-dessus plus tard. Mais ouais, comment j'ai fait mon grand tour? J'étais genre, ouais, j'arrive. Et elle n'arriva jamais à destination. Ouais, j'ai chopé 23 Pokémon. Regarde! Ils sont tous beaux. J'ai mon petit bébé là-dedans, hein, le Pangoléon, j'avoue que. Très fier de ma capture. Hein. Ah, je vois, tout ceci est affinant. Permets-moi d'actualiser le Pokédex. Alors, Luxray, j'avais déjà. Lui, il a du coup la forme plante, la forme déchet. La cape déchet, ça c'est parfait, c'est pour moi. Mer d'Occident, mer d'Orient, enfin Michui. Il me manque une entrée pour lui. Spécimen vaincu par une attaque de type combat, bah j'espère pas. Une fois où l'espèce a utilisé mur fumigène, bah aucune, parce que j'aime pas ça, t'attaques. Merde. Bon. Et page d'espèce complétée, zéro. Tu as aussi apaisé Arcana, le roi de l'île. Tu m'impressionnes. Toujours devant. Rentre donc au village pour le dire à Cormier. Je suis arrivé. Salut, professeur. Je vous ai détruit un de ces Pokémon. Alors, tu voulais voir ce sans coquille. Ah ben, j'ai ramassé. Alors, le rose. Et le bleu. Seigneur, pourquoi? La couleur du corps des coquilles diffère selon leur matière. Je trouve ça fascinant. C'est comme s'ils portaient clairement les fièrement les couleurs de leur environnement. Comme les supporters de foot. D'ailleurs, tous les habitants de rusticité viennent d'horizons très différents, n'est-ce pas? Ne reste pas le fabuleux portrait des vêtements que chacun porte selon leurs origines, comme les cinq coquilles. C'est pour ça que tu t'es mis chelou. Je sens l'inspiration monter. On a de nouveaux articles. On va acheter des vêtements. Il y en avait des bandeaux torsadés. Attends. Pourquoi les masques sont moches comme ça? Bon, il y a le masque Konotor, ça vaut plus. Nanimo, Nanimo. Il sait danser. Et se porte. C'est quoi déjà? Ah oui, il sait danser et se mettre mal. Nanimo, Nanimo. Ah, toxicité, insecte, rayon horizontal, rayon horizontal 2, 3. Motif Oshana. Oshana, c'est de l'eau naturelle! Naturel, je vous dis. C'est dur, c'est qu'il est beau, hein.
Pas gueule, fragilité, manteau, veste de festival. Ah, on a des culottes longues, un motif un peu. On dirait vraiment pyjama, hein, celui avec les petits pois. Non, voilà, faut que je dise les choses telles qu'elles sont. Alors, les sandales GTA, je les avais déjà. Les sandales CETA, je les avais déjà. Les bottes d'hiver, je les avais déjà. Sandales extravagantes. Les chaussures de Futa, machin. Des binocles, des binocles, des binocles. Encore des binocles. Je serais bien de venir à la maison du textile aussi souvent qu'il te plaira. Est-ce que t'as des vrais articles? Bonjour. Lui, il doit me détester à chaque fois que je viens le voir, c'est là genre, oh non, c'est de la merde. Popote, c'est mon pote. Yo, apparemment t'as une mission, donne-la-moi. Avant de te vendre des friandises, j'ai quelque chose à te raconter. J'ai mis au point une nouvelle douceur à la truffe sucrée, mais elle ne m'a valu que des critiques. Quelle misère, que mes larmes versées. J'ai été obligée d'abandonner ma réserve. Mais quitte à ne pas vendre autant, au moins enseigner la recette à quelqu'un, non? Alors si tu aimes bien confectionner les choses, laisse-moi transmettre ma méthode. J'ai déjà la truffe sucrée, donc j'aurais juste besoin d'une route à base, d'un champignon mou et d'une baie houblon. Ouais, j'aimerais. Ah, ok, je suis obligée de les avoir dans le sac. Trop chiant. Il veut baie houblon, roux bagasse et tout mou, c'est ça? La pierre haut. Ben on voit que j'aime pas les masses balls parce que j'ai plein de galets noirs. J'ai des galets noirs à ne plus en finir, quoi. Mais c'est le coup, pourquoi, genre, tu gagnes autant si tu fais des coups critiques avec une super ball, mais t'es pas obligé de faire des coups critiques que d'en faire avec, avec ces merdes. Donc voilà, quoi. Champi tout mou. Champi tout mou, champi tout mou. Tout mou. Comme ma bite, pardon. Eh oui, je l'ai fait. Attends, c'était quoi? C'était Rutabagas qui l'a mis. Est-ce que je prendrais pas les pétaralgues aussi tant qu'on y est? Les pétaralgues, elles vont être tout derrière. Voilà, j'en bout les trois. C'est pas de la jambe.
Et j'en profite, je fais quelques petites missions, voilà. Le service après-vente des plaines, quoi. Et non, le contraire. Dans ce cas, c'est parti. C'est vrai que ça n'a pas l'air très bon, hein. Champi tout le monde et Rubagaz, vous recevez un encas contraire. Ce curieux encas permet d'inverser temporairement la puissance offensive et la puissance défensive d'un Pokémon. Et voilà, tu connais le secret de ma recette. Tu apprends vite, tu reconnaîtras bien l'efficacité du cœur des chercheurs. L'encas contraire est assez mystérieux, j'ai entendu dire qu'elle a pour effet d'inverser l'offensive et la défensive. Je sais pas trop ce que ça signifie. Mais toi, en tout cas, quand tu affrontes un Pokémon, tu pourras t'en servir. Ça peut être utile en cas de combat sérieux. Attends que je parie, il a perdu sa sœur. Ma petite sœur, elle est partie sur la côte, elle n'est pas revenue, bah oui. La meuf, elle se perd tout le temps, tu sais, je pense qu'à un moment, en fait, elle se perd pas, elle te fuit, hein. Non, c'est tout, frère, je te le dis ça pour toi, tu sais. Faut bien que quelqu'un te le dise, non, à un moment. Attends un peu, tu as des pétards? Ok. Les pédas, elles sont un symbole incontesté de la côte latine. On trouve souvent des algues échouées sur le rivage. On connaît surtout pour leur utilisation de la confection du sachet pédas. Ces derniers permettent de repousser les Pokémon bien comme il faut. Bon, tu as gagné, si qu'un peu t'es si heureux. J'accepte de lui fournir de nouveaux articles, mais uniquement grâce à toi. Je vais voir Sika en plus. Ah, Sika sauce! Sika sauce, Sika sauce. Il est là. Il a pris les algues. Ah, je prends pour des corps des artisans. Tiens, tout ça, je confectionne tout moi-même. Hein, les altérations, Super Bowl, c'est clair, c'est chez Pétarade. Tout va bien, je me dois juste de me manger le mur parce que je suis un putain de PNJ dans ma vie. Ah non, pardon, c'est deux en haut et pas deux en bas. Et hop, on fait le tour. Et on remonte. Et on refait le tour. Et on re-remonte. Salut patron! Tu as fait du bon travail sur la côte latine. Tes efforts ont non seulement aidé le groupe Galaxy, mais aussi le clan Perle. J'espère que tes actions finiront par avoir un impact sur la faille spatio-temporelle. Si nous pouvions la faire disparaître, plus personne n'aurait besoin de douter de toi. Le problème, c'est que nous ne savons pas comment faire. Je compte sur toi pour nous rester toujours dévoués. Et là, on va rejoindre Aurel le loser et Lavande le touriste. Aurel le bêta mâle. Lui aussi.
Je vous préviens, ce soir les beignets de patates sont un peu différents. Je les ai cuits à la flamme d'un Pokémon. Il a l'air simple. La naissance d'un nouveau roi. J'aurais tellement voulu voir ça. Professeur, vous savez monter sur un paraguay, professeur. Je ne sais déjà pas lancer de Pokéball, alors je ne sais pas si je serai assez souple pour les roulades. Alors, vous dites bien que monter sur le dos d'un paraguay, c'est inimaginable. Mais comme on dit, mieux vaut lancer ça au stagiaire. C'est lui qui travaille sans l'aura, là, je verrai un jour de récompenser. J'ai poursuivi mes recherches en gardant sage à l'esprit ses paroles. Et un jour, je réussirai à engager quelqu'un d'autre que des stagiaires. Qui sait, on aura peut-être un employé. Ça, je pourrais écrire cette expérience dans le Pokédex. Nom, j'ai rien à manger, voilà. Le lendemain matin. Ah, je me lève, je fais ma gym. Mais c'est pas le conducteur du train? En noir et blanc. Bonjour, chère visiteuse venue du ciel. Cormier, le boss de votre groupe, souhaiterait s'entretenir avec vous. Mais que se passe-t-il? Je veux que tu ailles apaiser l'électrode, le roi des grottes, qui se trouve au contrefort couronné. Ce Pokémon, il peut concentrer l'électricité de son corps avant de se relâcher. Et depuis qu'il est enragé, ses décharges provoquent des explosions, c'est pas la joie. Vous allez avoir besoin de l'aide du clan Perle pour rendre la cour royale d'électrode en toute sécurité. J'ai déjà informé Nakara et... Halte là, arrêtez-vous! Vous croyez que vous allez m'empêcher de passer vous rêvez hors de mon chemin? C'est ma game, elle est bonne. Bonjour, bonjour. Ah, ce cher Cormier, comment allez-vous? J'ai comme l'impression que vous avez oublié de m'envoyer une invitation, je me trompe. Putain, elle est immense. Attends, j'ai une amie qui s'appelle Camille. Camille, c'est quoi ces manières? On est en pleine discussion. Pourquoi tu crois que je suis venue, Adam? Tu comptes parler d'électrode sans moi, son gardien? T'arrives en retard, de toute façon la conversation est terminée. C'est Judas qui va aller l'apaiser pour nous. Adam, t'es pas sérieux, voyons. Tu veux m'humilier, c'est ça? Tu veux m'humilier devant tout le clan entier? Cette demi-portion ne va jamais réussir à apaiser l'électrode, regarde-la. Tu veux te battre, pétasse? Et pétasse, je t'envoie mon tortillon dans la gueule, tu vas voir. The Rain, il va... Non, c'est... je peux pas plus arriver, c'est bon. La Isla Bonita? La Isla Bonita, mon gars! C'est pour cette instruction, Cormier. Ne faites pas attention à lui. Attends, c'est Camille et ta mec? Non, Camille est non-binaire, c'est bon. J'essaie d'en mais c'est trop compliqué. Mais non, ne t'inquiète pas. Simplement que Megan ne puisse pas arrêter un homme d'une telle taille que Camille. C'est donc à moi de prendre des choses en main. C'est-à-dire... Je pense que le corps de défense a besoin que je les entraîne personnellement. Camille, à cause de toi, les gars vont passer un sale quart d'heure. Premier paradis que le sumo, il est tellement fort qu'il peut pas lancer les rochers. Et alors? Bref, nous revenons au sujet qui nous intéresse. Judas, tu connais ta mission, va apaiser Electrode. Camille, je compte sur ta bienveillance pour lui venir en aide en cas de besoin. Vous pouvez disposer. Alors, on ne va pas aller sur ce terrain. Camille, tu ferais mieux de ne pas sous-estimer le groupe Galaxy, en particulier Judas. Je ne vais pas dire qu'elle est vraiment très forte. Je vais t'en faire la démonstration. Ok. Sauf que je choisis de ne pas t'affronter tout de suite. Comme ça, ça n'enclenche pas la nouvelle zone. Et donc, il n'y a pas de risque que j'avance. On est d'accord, je vais vérifier auprès de lui. Merde!
peux aller dans une nouvelle zone du coup. Bon bah je vais affronter Adamantin, chier. Tu saoules. Avec plaisir. Non, parce qu'après, c'est moi qui dois résister à la tentation d'aller sur une nouvelle zone. Regarde bien, Camille. Rien à foutre. Fuck la police. Fuck le 17, comme on dit. Crame ce filet jusqu'au sang. T'es content, Damantin? Même pas attendre une semaine. Tu as vu de quoi elle est capable, hein, de la mépriser, d'accord? Hey, Camille, viens de battre, viens de battre, viens de battre! Je te défonce. Je crois que les membres du Clan Perle qui. Il doit t'aider, t'attendras au dojo quand tu seras prête. À la prochaine, Judas, je compte sur toi. Comme toi, Camille, j'ai deux mots à te dire. Oh, pitié, attends, épargne-moi. Judas. Je vais t'expliquer ta mission. Rejoins-moi dans le salle du corps des chercheurs. Ok, c'est inskippable, je suppose, avoir le petit truc qui charge. Tes prochaines recherches se tiendront au contrefort couronné. Ce lieu est proche de la faille spatio-temporelle, nous ne savons pas quel danger t'y attend. Avec ton rang actuel, tu devrais pouvoir exploser le pont. Merde, il l'a ouvert du coup. Tu devrais pouvoir collaborer avec une certaine personne pour tes recherches sur l'électrode. Commence par te rendre au dojo. Mais si je refuse d'y aller, je peux aller sur la suite de la map. Lucille, le nom de cet épisode du stream sera Lucille tente à tout prix de mettre fin à l'aventure. Parce que sinon on est reparti pour 2 heures et je le sais. Putain, ma charlotte. Ah, il m'énerve. Putain de leader, quoi. Vous pouvez pas attendre 5 minutes. Te voilà, Judas. Je te présente Shamal, c'est le gardien de Farfurex. Va nous conduire jusqu'à elle. Je vous prie de m'excuser, ce matin, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Shamal. Si vous souhaitez voir Electroc, vous allez avoir besoin de l'aide de Farfurex. Cela, il va tout d'abord falloir qu'elle reconnaisse votre valeur. Vous êtes donc à embarquer en toute sécurité pour le Mont Couronné. Départ imminent! Tu sais, Shamal est un peu comme toi. C'est-à-dire, il est passé par une faille temporelle lui aussi? Bah que ce serait crédible, hein. Il sait pas d'où il vient en fait, il a perdu la mémoire. J'ai l'impression que si tu faisais. Que si tu fais équipe avec lui, parviendra à se souvenir de quelque chose. Quasiment sûr que t'es passé par une faille temporelle. Je compte sur toi, cette fois encore, Judas.